Le premier établissement de la Fondation d'Auteuil en Vendée s'appelle la Maison Charles de Foucauld. Elle accueille depuis le 4 janvier des jeunes de 6 à 21 ans. Arrivés ici par décision judiciaire ou demande administrative, ils sont pris en charge pour quelques semaines ou plusieurs années. L'établissement comprend 3 maisonnées pour préserver une atmosphère familiale. Chacune accueille 8 jeunes au maximum et l'espace se veut confortable et chaleureux. Nous avons une cuisine conviviale où les enfants peuvent participer, faire un gâteau et aider l'adulte à préparer un repas. Et puis chaque enfant a sa chambre, donc avec une volonté, encore une fois, qu'ils aient une chambre différente chacun. Donc un papier peint différent, des meubles différents, et pour qu'ils se sentent comme dans une réelle maison. Cet éducateur spécialisé et 9 maîtres et maîtresses de maison encadrent ces jeunes en essayant de leur donner une vie la plus normale qui soit. Les enfants sont scolarisés en dehors, dans les différentes écoles de Challans. Ils participent à la vie culturelle de Challans dans les clubs sportifs et artistiques. On leur propose la vie la plus ordinaire possible, tout en sachant que nous ne sommes pas leur famille et que nous ne la remplacerons pas. Et pas question de mettre la famille à l'écart, le projet pédagogique de la Fondation d'Auteuil prévoit au contraire de maintenir le lien avec les familles. Un accompagnement personnalisé, on y tient beaucoup, et nous accueillons et nous sollicitons aussi les familles pour que le lien ne soit pas coupé entre l'enfant et la famille. Il y a même un accueil pour la famille, un appartement qui est destiné aux familles qui veulent venir voir leur enfant, qui ne souhaitent pas pour X raisons accueillir l'enfant à la maison, mais pour recréer quand même quelques heures, quelques jours, une ambiance familiale. Actuellement, ils sont 11 à bénéficier du projet, mais en mars prochain sont attendus 20 autres jeunes.